merde, il va me toucher. Ah merde! Attends, mais je fais quoi? Ah, il a le bras long, le mec il a le bras long, il a des connaissances. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut choper quoi là? J'ai même pas le temps d'analyser la pièce. Non mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Là il m'a loupé. Son truc, il va se couper les bras. Merde, il revient. Ah, ou peut-être par là. Peut-être que là il y a un truc. Je vois rien. Merde. Ah, il m'a chopé. La musique de la scène est énorme. Oui, c'est vrai que ça fout les boules. Mais alors, je sais pas quoi faire. Je suis un petit peu... comment dirais-je... J'essaye d'attraper ça. Ça marche pas. Là, si j'essaye de sauter, il se passe rien. Là, en fait, je peux repasser, là. C'est rigolo parce que c'est un peu pédo sur les bords. Bon, je suis... Alors, attends... Analysons la scène, il y a un truc en haut. Là, il peut me choper. Que je reviens. Je sais pas, il y a ça que je peux ouvrir. Donc je devrais pouvoir m'y accrocher, non? Qui bloque la porte? Tirez les barres qui bloquent la porte. C'est quoi les barres qui bloquent la porte? Attends, ça veut dire qu'il faut que j'avance ici, là. Au milieu. Tant que sa main revienne. Faut lui couper les bras. Avec la barre de fer, tu peux tout faire. Ouais, ça doit être... Merde, il m'a rechopé. Ça doit être ça, faut tirer la cage, d'accord. Par contre, faut choper le bon moment. Ok, plus que l'autre. Allez, là je peux l'avoir. Ah oh! Là tu dis plus rien mon gars, tu dis plus rien, voilà. Oh putain, ça bouge encore! Putain, ça bouge encore. This is alive! Alive! Excellent, c'est creepy as fuck. Mais c'est excellent. Oh, c'est dégueulasse. Bon, mais le mec, il aura du mal à faire du piano maintenant. Allez, on se casse. Ah, peut-être que ça repousse. Peut-être que ça repousse. Maybe it grew back. Bernie. Oh putain, ce film.
Ah, ce film, Bernie. Il y a plus de... Y a... Je pense qu'en France, maintenant, il n'y a plus trop de films comme ça. Cauchemar Express, bonsoir. Ok, nouvelle map. Soit vraiment dans un film de Burton. Un film de avec des marionnettes, ce genre de choses. Oh putain. En tout cas, il est vachement plus... Même si Inside était magnifique, il est quand même vachement plus joli qu'Inside. Oh, un petit enfant mort. Pourquoi par là-bas, il n'y a que dalle? Puis on arrive de là. Après, Inside a été fait sur Unity et lui a été fait sur Unreal Engine. Et on sent la différence. Ok, faut prendre un crochet. Ok, bah voilà, hein. Creepy as fuck, ouais. Ah merde. Ah, il faut laisser appuyer. Oui, je me balance, oui, je me balance, et nous nous balançons. Quel plaisir immense. On a vraiment l'air con. Oh, on a Bobby là-bas. Les cadavres, et j'ai perdu mon perso, c'est génial. À faire mes conneries. Là. Il y a du Pérus ce soir, c'est la fête maintenant. Il y a les frères Pétard à battre maintenant, d'accord. Ah oh merde, on a de nouveau notre diabète qui reprend. C'est superbe. Ça me donne envie de faire Inside, hein. Je pense que je ferai Inside en live aussi. Oh, il y a un petit piège. Bon, je suppose que petit piège, si je vais dedans... Vas-y, pour la science, hein. Non, ça va, il a été activé déjà. Captain Diabète. Captain Diabète. Et boum, mec. Ah merde. Vite. Ah, vite, mon taux de sucre est au plus bas. Vite. Oh putain, on va bouffer du rat. Allez, un petit rat burger. Wow. Brad Pitt, entretien avec un vampire. Un des meilleurs films de vampire, d'ailleurs, selon moi. Ah, ça va mieux. Ça y est, mon taux de sucre est au plus haut. Demolition Man aussi, voilà, Raburger, exactement. Oh, la musique. La musique, les mecs, putain. T'es sérieux? Bah oui, je suis sérieux. Je suis sérieux à propos de quoi? C'est quoi ça? Ah, je pense qu'on peut pousser ça. Oh! Twilight, tant que t'y es. Bah non, attends. Entretien avec un vampire. Rien à voir avec Twilight, mec. Ah, attends.
Celui-là, il s'abaisse. Celui-là, il s'abaisse aussi. Ça ne sert à rien. Okay. Le meilleur Twilight, c'est le dernier. Pour le coup, je dirais que le meilleur Twilight, c'est le premier. Bon. Parce que c'était le dernier. Non, le premier, il se laisse regarder. Moi, j'ai kiffé la scène du match de baseball. C'est tout. Ah, Blade. Le premier et deuxième Blade étaient vachement bien. J'ai bien aimé le deuxième, moi. Ah, ok, d'accord. Oula, ça pue la cuisine. Ça pue la cuisine. Ça sent les goûts. Oh putain. Et gousses d'ail. Qui en est dans la réserve. Ah, c'est superbe. C'est super beau. Entretien avec un vampire, c'est encore le culte de l'idéalisation iconographique du vampire. Ça me dégoûte juste. Bah, pour moi, c'est une des meilleures représentations des vampires, justement. Ah, moi, j'ai ma carotte. Moi, je suis bien. Et il peut pas manger la carotte, là, vu qu'il a faim à chaque fois. Le doux son du couteau qu'on aiguise. Effectivement... Oh! Ah là, on a du beau bébé, là. Ah bah, ça fait les beefsteaks. Mon corps est en pleine croissance. Ah, un beau petit bébé comme ça, ça fait envie. Hein. Meilleur vampire, c'est Spike dans Buffy. Déçu sur 20, je vais désabonner. Oh non, Jackie, tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas dire ça. Non, pour moi, mes deux meilleurs films de vampires resteront toujours Dracula de Coppola et Entretien avec un vampire. Le ton qui te regarde à gauche, j'ai vu. Du coup, lui, sa vision est basée sur le mouvement, pas pour le coup. Est-ce que je peux monter ? Nine. Oh putain. Ah merde ! Ah merde, 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 merde ! Il m'a vu. Bon, ça va, il a le bras court. Mais par contre, il peut traverser les objets 3D, putain ! Perso me font penser à des mini... Oui, j'avais vu déjà ton commentaire sur la vidéo de Manric. C'est vrai que ça fait penser aux minicum. C'est les ratés des minicum, en fait. C'est les mecs qui n'ont pas été recrutés au casting. Je pense que je vais jouer avec mon fils à ce jeu. Il va être bien la nuit. Bon, blague, ta culture cinématographique est absolument normalisée et je suis déçu. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que ce film est un film connu de vampire que ça en est un. Que j'en suis du coup. J'ai une culture cinématographique normalisée. Alors là. Au contraire, tu vois. Ça reste des classiques. Je veux dire, c'est un fait. Oula! Ah merde, il m'a vu, putain, ce gros bâtard! Non, si je me cache là-dessous, est-ce qu'il peut me choper? Ouah, il est vraiment bien fait, hein. Puis l'animation des vêtements, quoi, mais... Super, elle a décidé de switcher de salle. Tu pouvais pas continuer tes beefsteaks, espèce de gros bâtard. Alors, voyons voir ce qui... Ah !
Bonjour, je suis monsieur pied dans le plat. C'était quoi le petit truc blanc qui a couru devant toi? J'ai pas fait gaffe. Ah, mais c'est une espèce de gnome. Il y en a un peu partout, en fait. Je trouve pas... Oui, ça va, franchement, le mec est organisé. Ouais, c'est parce que le mec a un physique dégueulasse. Enfin, je veux dire, on ne voit pas les cuistots en cuisine. Je veux dire, si ça se trouve, c'est une normalité, hein, chez les cuistots. Il y a une tête de hareng, là, sous la table. Oh, le hachoir. Le hachoir, putain. Pourquoi il m'a vu? Ah, il m'a vu, gros bâtard! Ah, je vais le troller. Ta-ta-ta! Merde, faut une clé! Tac, le slide! Bim, tu me vois pas, tu me vois pas! Oh putain! C'est bon, c'est bon, c'est bon! Ils font quoi les petits gnomes? Ils te guident. Alors, où est la clé? Faut que je trouve cette putain de clé. Où est-ce qu'il est? Alors, je vois pas ce qu'il fait. Il est en train de se moucher, je pense. Bon, où est-ce qu'il est, ce gros bâtard? Dans un four. Ah! Le mec aurait mis la clé dans un four. Ça va. Je peux pas sauter là. Ah, je peux. D'accord. Les contes de la crypte. Il doit être en train de couper du hareng, mais pourquoi tu retournes pas? Attends, mais je vais aller voir l'autre cuisine en fait. Peut-être que la clé est là-bas. Ok, là il y a une petite armoire, tiens. Voyons voir. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non. Là je peux monter. Je peux ouvrir ça? Non. Celui-là. Non. Non. Ok, là, il n'y a rien. Les saucisses et tout. C'est, en fait, il fait des steaks de poissons, quoi. Bon, en tout cas, c'est pas là. Alors, voyons voir. Par là-bas. Ça, je peux pas. Où est-ce qu'il est là? Bon, il fait en tout cas son boulot consciencieusement. Hein. Ça, c'est bien. Tu n'es pas monté. Ah, tu penses qu'il aurait fallu que je monte sur les étagères là-bas? T'as peut-être raison. Hein. Fait là? Qu'est-ce qu'il fait avec le poisson? C'est pas comme ça qu'on fait. Oh là là, faut tout leur montrer, hein, faut tout leur... Bon, là, je vois pas de clé. Là, y a que dalle.
Ouais, il m'a revu, putain, gros bâtard. Ah merde! Oh putain, puis là il speed là. Hop là, tu m'as loupé. Hop là, tac. Merde. Bon. Ah putain! Il est en train de me fourrer dans le poisson. Ah, peut-être que la clé est dans la réserve. Peut-être que la clé est là. Je peux monter ici, là? Pas l'impression. Il va lui montrer comment on prépare le poisson. Peut-être que la clé est par là. Mais je ne peux pas monter. Un délice, monsieur. Et je veux pas l'emmerder, moi je veux juste me barrer. Bon, c'est pas là, hein. Ok, on va attendre qu'il se barre. Ah ouais, non mais d'accord. Tu me vois pas. Ah, il m'a loupé. C'est bon. Oh putain. Oh merde, mauvaise idée. Et salut Nerys, Nerz Y, Y Y HD, Nerzy HD je pense. Bon, alors on va y arriver. Je pense qu'il faut que je reste là. Ouais, je suis bien. Là, je peux passer. Fais un speedrun? Non. Ok, j'attends qu'il se rebarre. Voilà, tac. Allez, cassos. Eh bien évidemment, faut qu'il se barre dans la même pièce que moi. Putain de tricheur. Oh merde, il m'a vu. D'où il m'a vu? Est-ce que j'ai le temps de me barrer? Ouais, je pense. Vite. Il m'a pas vu, je pense. La clé, ouais, j'avoue. Putain, ce serait des putains d'épreuves à faire pour comment ça s'appelle. Pour Fort Boyard. Des épreuves comme ça, c'est trop bien. Ok, donc peut-être qu'il m'indique la direction effectivement. Je vais me foutre là, je vais me cacher là. Oh mais d'où il m'a vu? Oh merde. Non. Ok, tu m'as trouvé, t'as gagné. Ok, il est super malin. Et j'avoue que un petit fève dans le gâteau. On va y arriver. Fait peur ce genre, vrai. Oui, il fait un peu peur.
La tête dans le cul du poisson, ouais. Non, c'est pas les cuisines du Muppet Show, c'est les cuisines des Minicum. Ça, c'est un Minicum qui est en pause, voilà, il a fini sa session de tournage. En tout cas, c'est excellent, hein. C'est... Ok, donc la forêt. Pas qu'il me voit. Merde, trompe de touche à chaque fois. Ah mais d'où il m'a vu ? Ah, ils ont fait un petit loupé quand même sur sa tête, dans son cou là. On peut voir à l'intérieur de sa tête des fois. L'appel graphique est impressionnant. Oui, c'est vrai. Non, c'est beau, hein. Y a pas à chier. Ok, donc là, je me fais baiser à chaque fois. Il me voit en fait à chaque fois. Mais son vêtement est impressionnant, je trouve, en termes d'animation. Là, normalement, il devrait pas me voir, là. Oh, mais d'où tu me vois ? En fait, ce jeu, c'est Diablo 4, quoi. J'ai l'impression d'être chez le boucher dans Diablo. Voilà, où est-ce qu'il s'est barré, le petit gnome? Où est-ce qu'elle est, la clé, là? Ok, là, on peut y aller. Ok. Là, je suis safe. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, il a des glaires. Où est-ce qu'elle peut être, la clé? Il monte pas, non? Non, il monte pas. Peut-être que la clé est là-bas. Est-ce que j'ai le temps, là, ou... C'est dans l'armoire là. Ah, je peux monter. Ah, je peux monter. Ok, je m'en fous. Voilà, là il me voit plus. Mais comment cette lanterne s'est allumée? C'est incroyable, ce n'est pas possible. Ok, l'espadon est trop haut là. Ah merde, là je peux le passer en fait. Pas tomber. Ah ça on va. On va le troller. Fais-lui tomber une marmite sur la gueule. Oui, on peut le buter, je pense. Attends, mais dis pas qu'un mec a foutu la clé aussi haut. Ah, ou alors peut-être on va accéder à une autre pièce, peut-être. Ah, j'aurais pu lui rajouter du hareng dans son ragoût.
Merde, j'ai loupé. Merde. Je peux la ramasser? Non, je peux pas. Ok, on doit pouvoir certainement accéder à une autre pièce pour aller choper la clé. Oh! La blague! Ok, ça va. Là, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, oh, bah, c'est génial! Deux chiottes pour le prix d'une. Ah, pour le prix d'un, plutôt. Et en plus, ils ont prévu le truc. Ils sont inclinés, voilà, comme ça. Quand ça tanque dans un sens, mais t'es bien, t'es droit. Ou quand ça tanque dans l'autre, t'as juste à switcher. Oh, les mecs, ils ont inventé le futur. Voilà, on va leur mettre un petit peu de lumière. Il faut garder son calme, un petit peu, ouais. On peut ouvrir ça? Non. Il y a un mec, là. Putain, il y a un mec qui pionce, putain. Pas faire de bruit. Ok, la clé est là. Je vois la clé. Est-ce que je peux sauter tout simplement? Faut quoi? Faut se balancer? Ouais. Oh putain! Oh putain, puis là on l'a en gros plan. Ok, on l'a juste réveillé, il se barre, ça va. Qui s'est barré. C'est un couple, hein, je pense, hein. Ils dorment dans le même pieu. Et le tableau, c'était une super bonne idée, le mec. Il a commencé à dessiner un portrait, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de place sur la toile. Du coup, il a pris une deuxième toile. Pour faire l'autre côté. Bon, j'ai la clé. J'ai la clé! Sors! T'as plus le temps! Ah, attends, il y a un truc là. On peut aller par là. C'est un monte charge. Enfin, un ascenseur monte charge, quoi. Ah oui, du coup, là, on descend dans la cuisine. Ok. Et du coup, ils sont deux maintenant. Où est-ce qu'ils sont? Ok, là, il n'y a personne. Ta-ta-ta-ta. Ah, ils sont deux là. Je fasse gaffe là, il va me voir. Zut, 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 zut. Ça va, il a le bras trop court. Ah putain, il a son cul dégueulasse. Où est l'autre? Merde, est-ce que j'ai le temps? Ah, attends, attends, attends. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Salut, j'ai peur. Salut, mec. Pseudo, j'ai peur. Merde, je vais tomber la clé, là. Merde, je vais tomber la clé.
Oh putain! Ok, où est le deuxième? Il est tout seul? Ok, bon, c'est bien, hein, ils font bien leur boulot. Ok, c'est bon, ils se cassent. Ça va. Allez, go. Oh, on sort de la zone. Ah, ça fait du bien de sortir de cette zone, putain. C'était très stressant quand même. Hein. Ok, donc là, faut monter. Là, faut monter. Ah. Quelqu'un aime la saucisse par ici. Ok, donc encore un nouveau commerce, commerce de saucisses mortes. Saucisses de hareng. Okay, donc là il y a un levier. Ok, voyons voir. Il y a deux leviers. Voyons voir si je fais ça. Ok. Ok, ça permet de faire de la saucisse. Ok, faut peut-être en faire un long truc de saucisse, peut-être. Non, il n'y en a plus. C'est tout? Ah, attends, il y a un mont de charge, là. Est-ce que je peux monter dedans? Salut Mère Soraf. Ok, on va se réchauffer. Ah, faut mettre de la bouffe ici, là. Je pense. Ça, c'est marrant, je me rappelle pas de ce passage sur le truc de Manric. Ah bah, tu peux, hein, Sivmat. Tu es modo, apparemment. Tu peux poster des liens, hein. Ok, donc là c'est bon. Ah tiens, une petite statue. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu de statue. Je sais pas ce que c'est. Je peux aller par là? Non. Peut-être monter là. Apparemment, faut monter là. Ouais. Un petit gnome mort. Ah merde, je saute pas assez loin. Merde, je vois pas là. Ah putain, on voit rien. Merde, je vois pas. Ah, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, je sais pas. Non, je sais pas. Non, c'est peut-être pas ça. Ou alors faut que je monte là-dessus. Est-ce que je peux monter là-dessus? Non, pas l'impression. Sur le cadavre à droite. Essayons.
Merde. Non, marche pas. Non, mais ça doit être... Attends, je vais peut-être revenir. Il y a un truc que j'oublie. Hein. Peut-être que là, je peux monter. Ah, c'est peut-être par là, en fait. Je pourrais... Là, j'ai peut au crochet. Ah, c'est ça, là. Ok. Donc ça, faut que je le tire. Ok. Est-ce qu'il en faut plus? Je ne sais pas. Ouais, j'ai l'impression que je peux pas plus en fait. Redescendons. Ah, c'était peut-être rien le petit étage qu'il y avait là-bas, c'était peut-être que dalle. Ok. Peut-être que ça suffit là. Ah bah non, c'est pas suffisant. Attends, si, peut-être que c'est suffisant. Peut-être qu'en fait il faut que je saute dessus. Ah non, c'est pas suffisant. Il m'en faut plus. Et il me faut de la saucisse. Et il me faut de la saucisse. Alors allons chercher de la galette saucisse. Ok, je peux pas. Bon, revenons ici. Peut-être qu'ici je peux amener quelque chose. Là, il y a un rat. Je ne vois pas comment faire. Là, je peux ouvrir. Il y a un morceau quand tu sors de l'ascenseur. Oh, mais c'est toi qui as raison, je l'avais même pas vu. Et putain, merci mon petit héros. Ok, là c'est good. Hein. Bon, ça devrait suffire, je pense. Et il nous manque juste une petite saucisse. Pas de quoi. Ok, là c'est good. Ok. Là, ça devrait suffire. Voilà. Ok, c'est good. Oh putain. Ça y est, on avance. On avance. C'est Déforestation Simulator. Hein. Pas grand chose à faire. Ah, c'est ton petit jeu dont tu parles. Ok. Ok, on est toujours dans le frigo. Plein de frigos partout. Il y a une petite cachette là. Ça va peut-être nous être utile. Ah, encore besoin d'une clé. Cassos! Pas assez rapide. Oh là là.
Ah là 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 là. Oh, c'est vraiment excellent ce jeu. Je suis déjà à 2h49 de live. Mais peut-être qu'on va se le finir en une traite, hein, je pense. Je pense que je vais peut-être le faire en une traite. Ok, donc faut aller réactiver ça. Ouais, il faut foncer, il faut aller se planquer. Morceau de fromage. Tiens, c'est vraiment le musée. On se croirait un petit peu dans Délicatessen, hein. Il y a un petit côté Délicatessen. Et Cassos. Ah mais attends, mais il va peut-être se barrer lui. Non, ça va. Merde. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive! Vite! Faut se barrer! Ah! Ok, là, faut juste que j'attende. La musique est flippante, hein. Ah merde, c'est une autre cuisine. Ok, il doit y avoir la clé. Putain, oh putain, oh putain. Eh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Les trucs. Ah, attends, je peux passer derrière là-bas. Ah, il aime pas ce morceau, hein. Ok, la clé est là. Hein. Juste devant sa poire. Ok. Ok, ok. Ok. Là, je peux passer là. À mon avis, on doit pouvoir l'attirer ici, là. Allez, un petit bouton. Comment je fais? Ça va, il m'a pas vu! Vite, 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 vite. Merde, je laisse des petites traces de pas. Ok, c'est good. Ah merde! Ah merde! Vite, ouvre-toi! Mec, quel con! Allez, sors, sors, sors! Allez, ouvre-moi ce cadenas. Allez, leve-la, leve-la, leve-la. Faut que je fasse, faut que j'aille où? Faut que j'aille là. C'est bon. Ok, ça va. Oh, merde. Oh. Ok, c'est cool là. Alors, est-ce qu'il va revenir? Pas sûr. Est-ce que j'ouvre la porte? Là, je peux pas. Je
saute là. Ok. Alors, peut-être qu'il faut que je monte dedans. Ok, nickel. Nickel. Alors, analysons notre environnement. Allez, une petite statue là. Merde, pas cassé. Merde. Non, je vais ramasser la statue s'il vous plaît. Voilà. Allez, on la casse. Ok, ça je peux rien en faire. Apparemment on peut monter sur les parois. Je vais monter là. Non, ouais on peut monter là. Ouais, ça fait rien. Je sais pas à quoi ça sert les petites statues, je sais pas. Je pense que ça va être des trucs à débloquer peut-être, un succès peut-être. Alors quoi faire, quoi faire, quoi faire. Montons par ici. Ah, c'est par ici. Et là, je peux sortir. Je vais couper ma lumière. Oh, ils font la vaisselle. Oh, c'est trop mignon. Ok, là je peux plus passer. Ok. Intéressant. Ok, donc sortons. Ok, là il me voit pas. Je peux, voilà. Ah bah, de toute façon, ok. On était là-bas tout à l'heure. Ah merde, les scripts se déclenchent. Ça y est, ils bougent. Alors peut-être que je peux me barrer par là. C'est sous la table. Est-ce qu'il est l'autre? Je vais aller là-bas. Ok. Ensuite. Qu'est-ce qui se passe ici là? Ok, là il y a un petit levier. Je pense qu'il va falloir que je me barre et que je me planque. Vite, cassos, cassos. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Tout va bien. Alors ça a débloqué quoi au final? Ça a ouvert la porte? Nine. Ok, qu'est-ce que ça a fait en fait? Ça a peut-être ouvert un passage quelque part.
l'impression. Ah, je pense qu'il faut que je monte sur la vaisselle là-bas. Ok, faut que je monte sur la vaisselle, je pense. Ah merde, j'arrive pas à monter. Là, je suis pas de passage. Je vais attendre qu'ils reviennent. Ah non, j'ai pas créé de commande Discord. Faut s'abonner une fois. Ah oui. Oui, je ne passe le lien que si tu t'abonnes. Si tu t'abonnes pas, je passe pas le lien. Pas les couilles. Merde, comment je fais pour monter là? Merde, j'arrive pas à monter. Bon bah c'est pas ça alors. Vas-y, on se casse. Ah, mauvaise idée. Alors, c'est peut-être par là qu'il faut que je monte. Non, il y a des crochets en haut, à mon avis, c'est ça. Tout lui qui en crée un chain Lord des Puceaux. Oui, j'ai créé un truc Lord des Puceaux. Attends, mais parce que je focus le jeu, mais vous pouvez vous l'envoyer en Whisper, le... Tu peux envoyer le lien de ton projet en Whisper, non? Oh! Oh, on s'est mis de la mousse! Oh! Soirée mousse! Bon, comment je fais? Alors attends, c'est peut-être revenir en arrière. Pour atteindre les crochets. Ah merde, il faut que je quitte le jeu. Merde, à chaque fois je quitte le jeu. Où est-ce qu'il est? Merde, il m'a vu. Il m'a vu. Merde, les deux m'ont vu. Arrête de s'abonner à cet enfant et enfuis-toi. Ben j'aimerais bien. Oh merde! Oh les mecs! Ok, là je peux passer, je pense. C'est bon, ils m'ont loupé. Ok, alors c'est peut-être ici que je peux monter en haut, là. Tac. Ah, c'est ici, en fait. Ok. Ah! Faut que je fasse de bruit. Ok, faut que je chope un crochet, je pense. Ah, non, ok. C'est good! Ah oui! Ah, c'est stylé! Ah, du coup, il me voit! Hé hé, vous pouvez pas me choper! Ah merde, qu'est-ce qu'ils font? Ah merde! Ah merde, il va me choper dans l'autre pièce, je pense. Ah merde, là il va pouvoir m'attraper. Hop là. Cassos, 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 cassos.
zut. Ouais, c'est chaud. Vite, cassos, cassos. C'est bon, il m'a loupé. Non, je me suis loupé. Je me suis loupé. C'est vachement bien, il y a une ambiance, ça fait flipper de ouf. Ok, là c'est good, donc faut que je monte là. Ouais, oh, il me jette des trucs. Ah oui, avec de la mousse. Salut les nuls. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Ok, c'est bon, je n'ai pas glissé malgré le fait que je sois plein de mousse. Ah, prochaine map.